est parti. Vraiment, on a un début très tranquille. Un début tranquille, un 5 points régulier, les deux midlaners qui se font face, tel es-tu prêt à en découdre le duel un peu western sur la midlane. Ouais, on c'est parti. On bouge même pas. On attend tout simplement patiemment. Et on commence à poke déjà du côté de Vex. On va avoir cet avantage-là de range cependant du côté de Vex. Et on va avoir justement ce... En fait, Vex, ça va être un match-up un peu compliqué. Il va falloir jouer vraiment intelligemment du côté de Rup. On a la range. On a aussi le passif qui nous permet de repeal une tornade, justement, de Yonner pour le garder à distance. Il va falloir jouer à... Peut-être faire perdre rapidement ce... Comment je faisais, ce passif-là de Vex. Et pendant ce temps-là, Lionel mange un peu de pression sur la botlane. Oui, Jinx peut pousser vraiment très efficacement. Elle a son Q qui fait du dégât AOE, là. C'est pour ça que ça peut être difficile contre Jinx. Surtout pour Caitlyn qui a moins de pushing power. Alors là, on pourrait peut-être faire un cheat recall qu'on appelle. Là. Si ouais. On fait crasher la Canyon Weight, on va chercher un item pour avoir un avantage supplémentaire. Là, on n'a pas de vision sur le Trundle pour le moment. 2 minutes 30, on doit faire attention du côté des Atlas là, sur la botlane parce qu'on a beaucoup de pression. Justement, là, on veut se replacer un petit peu sur le bas parce que ça va être potentiellement. Tu sais, Trundle, on sait il est où présentement, mais eux, on n'a pas de vision, on sait pas trop s'il est rendu où. On pourrait potentiellement. Tu sais, on veut éviter un gang qui est un petit peu surprenant. Et Vex, qui a quand même pas peu de sustain en ce moment, qui tient un. À distance, le Yonner. On a réussi à faire peur que ce passif-là du côté de Yonner avec notre shield. Notre W, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que le W, oui, définitivement. Là. Un trade pas mal égal. Du côté de la top lane, on voit Swaggy qui met beaucoup de pression sur Akridox, le blanc champion méchant. Un blanc. Santé! Bon! Ah, ben, ouais. C'est trop longtemps. On l'a mis, mais Cassante, en fait, il va commencer à faire mal, là, justement, quand on commence à avoir nos knock-up pour nous passer sur justement, notre knock-up, pour pouvoir ramener la cible, justement, comme on vient de le voir, en dessous de la tower. Ça va avoir coûté le flash à notre Cho'Gath, qui est un peu trop greedy, qui s'est un peu trop approché. Là, il va falloir faire attention, on va poke tranquillement avec notre bomb, on va jouer ça tranquillement. Pendant ça, le Lyonnais, qui va engage sur la Vex. On prend le temps de mettre notre Shadow. On va réussir à proc ce passif-là qui sera récupéré par Vex. Pas trop de dégâts. On n'a pas réussi à la fenêtre, mais on a quand même fait un très bon engage. Et là, ça va jouer très serré du côté de Yonner et de Vex. On a l'avantage en gold. On ne veut pas laisser un kill, cependant, inutilement à Vex. Et ça va être l'engage de Taric. Non, la bouclier va peut-être permettre à Taric de reculer. Et on a le clan du côté de Jinx pour passer à continuer. Mais là, on ne voit pas Trundle qui s'en vient. Là, on va continuer à pourchasser, je pense. On risque un peu, là, on flash du côté d'Astrée. On ne réussit pas à aller chercher la Caitlyn. Tu vas aussi flasher, mais là, on a Trundle qui arrive. On met le pilier. Mais on a Super Doggy qui vient aider, mais je pense qu'il faut vraiment qu'il se sauve. Sauf quoi, Super Doggy? On n'a malheureusement pas cette capacité. On a le passif. On peut peut-être essayer de faire quelque chose, un petit jump. Malheureusement, d'après moi, ça va être fini. Ça va être fini pour Super Doggy. On a grid ce kill-là. On a réussi à mettre un très bon push, un très bon stun. On a fait un all-in. On a manqué de vision, malheureusement, on l'avait clear du côté de Trundle. On savait qu'il était botlane. On a tenté quand même le flash-in directement. Et c'est un kill récupéré pour Morgana, pour Caitlyn et un pour Trundle. On s'est très bien séparé les kills là-dessus. Et on récupère un 3-0 directement pour Lionel. Un très bon teamfight qui va être récupéré sur ce niveau-là. Pendant ce temps-là, la midlane qui en profite, 35 à 15 pour le moment. On a l'équivalent d'un kill en avance de gold, ce qui va faire beaucoup de bien. Ça nous donne un dragon gratuit du côté de Lionel. Et c'est qu'est-ce qu'on disait, hein? Fallait savoir où était le Trundle. On l'avait dit, c'est la partie on n'a pas de vision, malheureusement, et on clear la vision très bien là, du côté de Lionel. Ça va être quelque chose, on va devoir faire attention, on prend l'avantage, on le voit quand on clear, là, on est capable de voir justement, on l'avait vu un peu plus tôt le Trundle clearer la ward. Ça va des choses qu'on va devoir garder à l'œil. Et là, pendant ce temps-là, Cassante qui a son level 6. Je regarde qui ne l'a pas. On va spam knockback directement sur la ligne. Mais Zach qui va pouvoir intervenir. Pendant ce temps-là, on a Yonner aussi qui va mettre énormément de pression sur la mid lane. On va retourner sur le fight. On ramène le Cassante qui va pouvoir dash in pour pouvoir s'escape de cette situation. Et pendant ce temps-là, on a réussi à mettre un peu de dégâts sur la Vex. Mais on s'en est mangé aussi beaucoup.
Oui, mais Yone essaie de rendre la vie avec le plus difficile possible. Et même s'il n'arrive pas à la tuer, il arrive à garder son avance en termes de fer. Mais là, du côté de la botlane, on se venge un peu en allant crasher une énorme wave et en allant chercher une plate. Alors, ça va être mince en consolation pour ce qui vient d'arriver. Et on continue à aller avec Yone. J'essaie d'aller de l'avant, mais Trando qui va venir surprendre Super Doggy et Yone. Là. Mais Yone est niveau 6, par contre. Contrairement à Vex, il ne faut pas négliger ça non plus du côté de Lionel. Là. En effet, mais là, pour le moment, il faudrait que le Yone puisse proc son nut, aller chercher cet Ignite. Mais on avait déjà lâché, en fait, l'Ignite, la barrière qui avait été lâchée de Vex également. Donc, on va potentiellement attendre la fin de comment dire... La fin du cooldown de notre Ignite pour potentiellement y aller d'un all-in et un passage de niveau 7 pour gagner ce match-up, je pense, du côté de Rup. On réussit à quand même proc, quand même utile, le W qui permet de proc le passif de Vex. On a quand même un très bon positioning sur cette lane-là du côté de Vex, un très bon side-step de la part de Rup. Ça se joue vraiment de façon très serrée en ce moment-là. Oui, il n'y a pas beaucoup d'avantages en termes d'or, et là, Yone qui, encore une fois, va y aller de façon agressive. Et c'est des trades presque égaux, mais il arrive toujours à être un petit, d'avoir un petit peu plus de points de vie, juste un petit peu. Je te dirais que ça dépend par contre, parce qu'on l'a vu avant le back, là, on avait quand même une très bonne pression du côté de Vex. On est arrivé, on a tenté une pression, et ça n'aura pas été suffisant du côté de Yone. Ça dépend vraiment, est-ce qu'on touche nos skill shots ou pas du côté de Vex. C'est quand même un bon side step du côté de Rup. On y va surtout avec des attaques surprenantes, j'ai l'impression. Donc c'est ça qui nous permet de ressortir avec un peu plus de dégâts, mais... on n'est pas à l'abri d'une petite surprise, on réussit à dodge la tornade de Yone, on y va avec un stun, un repeal. C'est des choses qui peuvent arriver. Là. Oh, j'aimerais revenir sur cette question-là de la vision puis du fight qu'il y a eu dans le botlane qui a fait les trois premiers kills de la partie. C'est pas toujours possible d'avoir de la vision partout, mais une chose qu'il faut toujours se rappeler, c'est que si on ne sait pas, on ne devrait pas faire des jeux risqués puis risquer son flash pour faire des all-in si on n'a pas assez d'informations. Exact. Ça, là, on avait plus de vision sur la botlane, on savait pas trop où était le Trundle, on l'avait vu, t'sais, on sait pas si on l'a vu clear la ward, nous on l'a vu le Trundle clear la ward, on l'a remarqué. Est-ce que la botlane avait regardé la minimap à ce moment-là pour voir que la vision avait disparu à ce niveau-là? Ça peut laisser un petit doute sur de quel side il est. On n'avait pas trop, tu sais, on n'a pas vraiment eu de vision pour savoir où est-ce qu'il avait starté, ça reste quand même Trundle, donc on commence blue side normalement. Pour aller agir sans information, là, c'est tellement risqué dans ce jeu-là. Exact. On est mieux de jouer safe. On a un stun! Oh, on a pas un stun! Le bouclier de justesse! Morgana qui est vraiment on point sur ce bouclier-là pour dire. Ben, je te dirais que c'est le deuxième que je vois. Le premier a été un peu lâché dans le vide. On l'a lâché sur Caitlyn qui était déjà stun, donc un pilier qui a empêché le rolling CC, mais qui a pas empêché de CC tout court. Celui-là était on point. Celui-là, il était on point. Il était sur le frame directement. Ouais. Pendant ce temps-là, Yone qui profite allègrement de son farm d'avance et c'est égalité du côté de Kesante et de Shogat, mais littéralement 64 à 64. Il y a même égalité de plate, égalité de farm. On se regarde et on farm. On fait des choses de top lane, finalement. On fait des choses de top lane, comme tu as dit justement, quand on est à égalité et qu'on est, à peu près les mêmes forces. Même skating, c'est à peu près la même chose. On a un Shiver du côté de Kesante. On va chercher de la vie du côté de Shogat parce qu'on va pouvoir scaler sur nos résistances par la suite et Kesante pour le moment n'a pas vraiment de dégâts considérables. Ça va être surtout les tours si jamais on se fait ramener, donc on doit faire attention là-dessus. Et ça va être un engage de Yone, si on y va sur un all-in. On va pas, ça ne sera pas suffisant. On va quand même chercher un coup de tower du côté de Vex qui va ramener Yone à peu près à égalité, mais on a quand même réussi à proc un midlife du côté de Yone. Et ça va être un stun de la Morgana. On va tenter d'aller chercher ceci ici du côté de Zac, mais ça va être juste un petit repel du côté de la botlane. Et ça va être un gank de Trundle qui va forcer Yone à aller chercher cet ult out. Pendant ce temps-là, on va chercher le Carapateur sur la Riverbutt. Presque aussi bien qu'un flash d'avoir l'ultimate pour Yone, mais là on a un combat maintenant pendant ce temps-là entre... Oh, mais là le combat vient de changer et ça va partout, on va de tout bord de côté. Je ne sais plus quoi commenter. On a un flash de Illizan qui réussit à survivre, mais je n'ai pas pu suivre ce combat-là entre Kesante et Shogat. Pardon la caméra. On s'est tout fait avoir, toutes les lignes ont commencé à faire en même temps. On va y aller avec ce que j'ai compris. Oh, Taric qui s'est fait binder par Morgana, je pense qu'il va y passer parce que Caitlyn va pouvoir finir
Le kill, ça fait un autre kill pour Caitlyn. Deux kills pour ma Caitlyn, 86 femmes, un item de compéter qui s'en vient. C'est pas exactement ça qu'on voulait comme situation idéale pour les Atlas. Et on est allé sortir le Herald Mid, si je ne m'abuse. On va deny la plante du côté de Yanné, on va commencer à descendre. Là, revenir un peu ce qui s'est passé. Chagrin qui a mis beaucoup de pression sur Kessante, on l'a fait backer au niveau de sa tower. Sur la mid lane, on a eu un engage de rup un petit peu raté, qui, alors qu'on était low, on a passé proche de mourir. On a réussi à revenir sur notre forme spectrale. Un dragon des vents qui va être donné à Lionel après ce champ tech là. Et ça va être avec un terrain gate directement. Il faut profiter d'un petit peu plus de déplacement et de mobilité sur notre map. Donc oui, c'est ça, malheureusement, trois tentatives d'engage qui n'auraient pas marché, la botlane qui commence à scaler sur cette Jinx qui va pouvoir en profiter sûrement plus tard dans notre fight, là. Mais là, en ce moment, là, on a déjà notre Kraken Slayer de récupérer du côté de la Caitlyn. Je dois avouer que je suis surpris par contre, Kraken Slayer sur Caitlyn. Ça dépend, c'est un bon choix considérant le nombre de tanks qu'il y a du côté d'Atlas. En effet... En effet, je suis... C'est pour les tanks. Normalement, c'est plus le... Voyons, le... l'autre, là, qui donne une espèce de petit gear force, c'est ça. Ben, actuellement, on voit une gear force plus que... Oui, c'est ça. Que ça directement. Et on voyait un petit engage, là, sur la vex. Un petit engage, comment on est allé chercher le midlife. On attend le bon moment pour faire un all-in du côté de Yanné. Plus ça va, plus Yanné fait mal, là. Les trades coûtent de plus en plus cher en termes de points de vie à vex, là. Là, attention, on parle pas trop fort, on a un garanti. Oh, une surprise de Caitlyn qui a voulu flasher. Oui, mais là, on a réussi à s'en sortir avec le flash, mais au moins, on a une Caitlyn qui est flashless. Alors là, on a 5 minutes pour... La tentative de trap qui était quand même très bien récupérée ici pour essayer d'aller chercher des kills et commencer à ressortir notre épingle du jeu. Ça s'en vient, là. On veut un repeat... Ben, on est vu, on a la vision, on est vu. Mais Zach peut diver, est-ce qu'il a son passif? Je ne vois pas exactement. C'est quoi qu'on l'a du côté de Zach? On a notre passif, mais là, on n'arrive pas à trouver l'ouverture pour le moment. Et là, mais là, il y en a aussi. On a notre ult du côté de Yanné. On va y aller dans l'engage du côté de Zach, et ça va être l'ult de Tari qui va être lâché. Si on va le temps de faire l'immortalité, l'immortalité va être proche. C'est là, Yanné qui s'engage. On va aller chercher le kill sur cette Morgana. Pendant ce temps-là, on va y aller dans l'EPL du côté de Caitlyn. Si on est capable d'aller chercher la Caitlyn en Ottawa, on va backer là-dessus sur un Illidan très low life, mais un très bon outil utilisé pour pouvoir tanker cette tower. Et c'est Morgana qui va tomber. Bon timing, c'est sûr qu'on aurait aimé ça aller chercher la Jinx, mais on va pas. Oh, là, on a 30 autres qui va chercher Rup. Rup, il va peut-être pas pouvoir survivre à ça. Vex qui rentre avec son ultimate. On a le ultimate de Yone, on a-tu assez de sustain? Il est juste à se donner. Retourne, on a un flash! Et 30 autres qui va y passer, c'est assez incroyable. Ça, c'est un petit peu risqué, là. Rup qui a décidé d'aller mettre un petit peu greed. Il a eu un kill, mais il a donné un autre kill à Caitlyn qui a déjà assez d'argent comme ça. On a tenté quelque chose qui était un très beau jeu là-dessus, cependant, du côté de Yanné. On avait réussi à très bien jouer notre rolling. On est allé chercher notre tornado pour pouvoir stun. On est allé chercher notre ultimate avec notre forme spectrale. Après ça, rebacker en sécurité derrière. Je pense qu'on espérait gagner du temps assez à Zach pour pouvoir récupérer son passif et jump out. Malheureusement, on a dû engage in pour pouvoir tenter de le sauver à nouveau. Peut-être un manque de communication. Justement, on espérait avoir le temps. Les choses qui arrivent, on s'est laissé avoir, mais on est engage et malheureusement le Zach qui était déjà mort lors de ce re-engage-là, l'ult de Caitlyn qui a pas qu'après ça. Et ça a été un kill pour Vex et un kill pour Caitlyn. Et un kill pour Rip qui a réussi à aller chercher le Trundle. En effet, là, pendant ce temps-là, on regarde un peu, on a une boutique de 300 gold du côté de Caitlyn. On a récupéré un kill du côté de Vex, mais du côté de Yanné aussi, fait que ça s'annule directement à ce niveau-là. Mais on a quand même une différence là, de 40, si pas 50 goals, pas 50 goals, 50 CS là, du côté de Yanné. On a 500 gold, 550 environ de différence, et on va deny de ce... Cet Herald, mais à quel prix? À quel prix? Je pense qu'avec l'ultimate de Zach, c'est un 4 contre 3, Zach va peut-être pouvoir sortir de là. Jinx va mourir contre la Caitlyn dans un duel. Cho'Gath qui est obligé de flasher du Kessante parce que, ben, à 3 contre 1, pas de chance. Alors, on a récupéré le Herald qui va nous permettre d'aller chercher de l'or, mais peut-être d'aller chercher une tour, mais pendant ce temps-là, la Caitlyn continue à
manger. La Caitlyn fait très mal en ce moment. On a un très bon stand ici de la part de Tariq, mais là, on a 3 levels de différence entre Tariq et Caitlyn. Caitlyn qui profite allègrement de son 4 kills d'avance. Et pendant ce temps-là, on va tenter un gain sur cette Cassinté-là. Le dash-in, dash-out en fait, qui ne fonctionnera pas et on se fait un petit peu malmener. Réussi à désengage là-dessus. Le Cho'Gath qui n'a plus de mana, malheureusement. Oui, non, il devrait avoir. Il faudrait qu'il faire le plein de mana. Pendant ce temps-là, Vex continue à faire ce qu'il fait mieux depuis le début. C'est-à-dire qu'il met de la pression sur Vex, ce qui l'empêche d'affecter les autres plaintes. Mais là, on a un fameux qui arrive. On va attraper le pilier, on va ulter du côté de Ruff. Est-ce qu'on va pouvoir rester vivant? Oui, on reste vivant avec ça. Mais malheureusement, c'est un autre ult qui ne pourra pas être utilisé dans un fight à venir. Parce qu'il a dû être utilisé défensivement. Rup met beaucoup de pression en ce moment sur la Vex. On empêche un peu Snowball, mais là, on se fait un peu camp par le Thunderbolt. Ce qui nous pose problème, et c'est le troisième dragon qui va être débloqué ici. On n'a pas de force d'engage pour le moment du côté des Atlas. On manque vraiment de cet avantage-là qu'on avait avec l'Ultimate pour pouvoir potentiellement aller chercher ce dragon-là le premier test. Parce que justement, on push très bien, mais on n'a pas de vision là, sur la Trundle. On en a dans notre jungle, on en a sur le bord de la botlane et c'est tout du côté des Atlas. Le reste, on n'a pas de vision, on ne sait pas où est le Trundle et on push beaucoup du côté de Rup. Qui nous pose problème et qui nous force justement à passer notre flash et notre ultimate. Par chance, l'ultimate de Yone qui prend pas trop de temps à se placer, surtout de plus en plus qu'on prend notre attack speed. Mais tout le monde. Là, on a beaucoup de CC, là, on a de la misère à s'enfuir du côté de Cassante. Ouais, on n'a pas de dégâts. On n'a pas suffisamment de dégâts. On a assez que là, Thunder qui décide de faire un tour. C'est à Vex, mais elle va pouvoir s'en tirer. On n'avait pas un autre minion ou quelqu'un autre cible pour la ramener avec le Q. Mais on va dropper le Herald. Peut-être qu'on va aller chercher la tournée. Je pense que ça va être la tournée, mais je ne sais pas. On ne pourra pas récupérer la tournée là-dessus. Non, on n'a pas de wave pour aller avec le Herald. C'est dommage parce que ça aurait été très bien de. Là, on a encore Thunder qui visite les autres alors que son ultimate est de retour. Est-ce qu'on peut faire la même chose? Non, cette fois-ci, on a Zach qui rentre dans le terrain. Dans le cas, on décide d'y aller agressivement. On utilise l'entremettre, mais Vex va. Non, tu disais pas Vex. C'est 30 autres qui va mettre fin à cette tentative-là de contre-attaque de la part de Zup. Et Vex, avec un Q bien placé, va tuer également le Zach. C'est. Ouh, ça, c'est pas bon, ça. La clean, ce qui a été lâché du côté. Oui. On a réussi à empêcher cette stun-là. On récupère la tour botlane. Et en ce moment, Lionel commence à couler là, sur les Atlas. Un ultimate de Lisanne un peu late, on va se le dire. La Caitlyn fait énormément de dommages. On a récupéré notre collector du côté de Caitlyn, pas encore. On a quand même environ une quarantaine pour cent de critical. On a 35% de critical strike en ce moment. Et ça paraît, ça fait mal. Avec les true damage du Kraken Slayer, c'est indéniable. Et c'est un gank de la part de Trundle. On fait juste repousser le Cho'Gath qui s'en vient déjà back. Pour le moment, là, ce qu'on va faire du côté des Atlas, là, c'est commencer à slow la game un petit peu, prendre le temps de farmer, prendre le temps de se positionner. Rup, on veut laisser le. Pas laisser le temps à Rup, mais on veut que Rup commence à se calmer sur ses engages. En ce moment, on met beaucoup de pression. Là, on engage sur la Vex, mais Caitlyn arrive. On a décidé de backer, ce qui était le bon choix, mais c'est dangereux. Et là, ça va être un engage de Zach sur la Cassante. Cassante qui va le denied avec son pushback. Et on va aller tenter de récupérer cette tour de mid. En fait, on va la récupérer du côté de Caitlyn. On fait beaucoup trop mal en ce moment. Là. À un, être tout seul, il ne pourra pas résister à cette poussée-là. Et c'est le genre de choses qu'il faudrait éviter de faire en ce moment du côté de l'Atlas. C'est-à-dire, on ne veut plus chercher des plays. Ce qu'on veut, c'est chercher le farm. Et ne pas se faire prendre. Le 481 de dégâts critiques de cette Caitlyn qui va aller chercher le tiers de vie de ce Yone directement sur ce CC beaucoup trop long de la Morgana et Riot fait quelque chose. On a Zach qui rentre pour essayer d'aider la tour du milieu, mais peut-être qu'il va. Trop de dégâts du côté de Caitlyn.
La tour va tomber et je pense que Zach va tomber. On a 5000 de dégâts qui est d'avance du côté de pratiquement en fait du côté de Lionel. Et là, on a une capacité de push avec Caitlyn qui est en 7-3 et Trundle qui est en 4-1 qui est indéniable. On manque de force de push en ce moment. On vient de récupérer notre Kraken Slayer du côté de Jinx. On n'a toujours pas d'attaque speed vraiment importante autour de nos bots en ce moment. Et on tire de la patte. On a déjà l'Infinity Edge en seconde des thèmes qui fait beaucoup de bien en fait à Caitlyn. Pour le moment, le Liandry aussi de Morgana qui viennent de proc, donc un stun qui va faire très mal. Et outre Jinx et Yone, on n'a pas vraiment de dégâts. Et même en ce moment, on a du dégât du côté de Yone, mais on a un Immortal Shield Bow qui fait qu'on n'en a pas tant que ça au final. Donne sur Tarik la part de Morgana, un autre stun vient passer. Vex qui se met de la partie, que Something qui va ramener Tarik vers lui. On va réussir à stunner du côté de Tarik, mais. Jinx, Tarik, obligé de sortir son ult juste avant le dragon. Zach qui vient de se mettre de la partie pour essayer de régler les choses. On va réussir à stunner la Morgana et le Cassante. On va utiliser juste la charge. On utilise l'ultimate du côté de Super Doggy. Et on réussit de stabiliser un SC vivant, mais on overextend avec Jinx. Et ça nous coûte cher, encore une fois, le overextend des combats. On espérait récupérer cette Vex là-dessus. On espérait récupérer, mais des fois. Mieux vaut ne pas forcer les choses et risquer de perdre des avantages, comme par exemple le Dragon Soul. Là, c'est un Dragon Soul qui va être récupéré. La seule chance de gagner des attaques en ce moment, c'est comme je dis, ralentir le jeu, ce qui va être très difficile avec la capacité de push qu'on a présentement. Ça va être de commencer avec à regroup, le Shoggoth qui devrait commencer à descendre tranquillement, pas vite. On récupère quand même deux towers, tower top, tower mid. On est de retour à égalité au niveau du nombre de towers. En fait, non, on a une tower supplémentaire du côté des Atlas. On veut le tower du côté de Yone. Là, comme je dis, ce qu'on veut aller chercher, c'est potentiellement le dragon infernal qui va être back dans environ 5 minutes. On se prépare. Ah non, on est à égalité en termes de tower, la tier 2 du mid. Oui, la tier 2 du mid qui est tombée, c'est vrai. Mais. Là, en ce moment, on veut potentiellement aller chercher le dragon mythique qui pourrait spawn. On commence à se positionner pour le faire. On a réussi à pushback tout le monde. On n'a pas de vision sur sur le Baron en ce moment. Et on a les dégâts pour pouvoir le faire là, avec Caitlyn et Trundle. On l'a pigné, il me semblait qu'on avait pigné ce côté-là. Non, on ne sait pas. Non, c'est du côté de Lionel qu'on le pigne. On n'a aucune vision. Et là, on a la vision. En fait, on doutait sûrement de quelque chose, mais on n'a pas eu le temps. Et quand ça fait 10-15 secondes qu'on n'a pas vu personne sur sa map, on peut dire ben... Surtout avec l'avancée qu'on a là, du côté de Lionel en ce moment, là, on peut se le permettre. Là, là au moins, avec Yone a du Wave Clear pas mal. Jinx a assez de Wave Clear aussi. On pourrait peut-être durer... Faut endurer pour essayer de préserver les inhibes. C'est que là, Yone va pouvoir faire masse à la backline, mais qu'on ait fini notre Infinity Edge. C'est pas fait encore. Excusez-moi. C'est pas fait encore. À ce niveau-là. Donc, ce qu'on veut, c'est aller sur notre Infinity Edge. On veut que Shoggoth vienne nous rejoindre sur les teamfights parce que c'est du CC, on veut pas qu'il est important. On veut commencer à jouer en équipe, là, puis c'est là le problème. On joue beaucoup en équipe du côté de Lionel, un peu moins du côté des Atlas. On se base énormément sur nos carry en ce moment, le Shoggoth qui se fait. Ça fait manger comme neige au soleil. Oui, malheureusement, avec l'ultimate de Trundle qui transforme n'importe quel tank en squishy pratiquement. Et avec Cassante pour l'aider, on n'avait pas de façon de s'enfuir du tout. Et donc maintenant, on est à 5 contre 4 avec un Baron buff. Ça, c'est pas exactement l'idéal. Si j'étais Tarik et Jinx, j'essaierais d'abandonner la tour, le Outer Turret pour essayer de défendre mid. Parce que là, les waves s'en viennent mid, et avec des grosses waves mid, on va pouvoir aller craquer la tour de l'inhib. C'est avec la Caitlyn en ce moment, on veut être en supériorité contre la Caitlyn, pouvoir la bloquer. Ça va être un engage de la part de Zach. On a l'ult de Yone qui est lâché, et Zach qui ne pourra pas faire grand chose. On se fait fondre en ce moment, on va stun un peu ce Trundle, mais Caitlyn qui est fini. Malheureusement, on a beaucoup trop de dégâts sur Caitlyn en ce moment. Je ne sais pas pourquoi on était encore top du côté de Jinx, du côté d'Astrid et de Lissane. On manque de communication sur nos objectifs en ce moment, du côté des Atlas. Oui. Là, on n'a pas ce qu'il faut pouvoir faire. Là, on n'a pas de dégâts du côté de Shoggoth non plus, à part une Aegis pour temporiser les fights. On n'a pas pu scale vraiment sur notre ultimate, j'ai l'impression, du côté de Shoggoth.
Donc, si on clique dessus, on peut voir combien il y a de packs sur notre planète. On en a 6. Ok, là, on a un fight. On a Jinx qui est obligé d'utiliser son cleanse là, parce qu'on est 4 avec une grosse wave. 2 canyon minions, ça fait beaucoup de dégâts. C'est un champion de plus, une grosse wave comme ça. Là. Et là, on est obligé de reculer complètement. Là, on a l'inhib du bas qui va tomber aussi. Là. Caitlyn, qui va d'un autre kill. Un autre kill tellement rapide que j'ai juste à peine si je l'ai vu venir. Yoni qui va essayer de faire quelque chose contre Vex. Peut-être qu'on va toucher un kill de consolation. Non, pas exactement, pas tout à fait. Mais pendant ce temps-là, je sais pas qu'est-ce qu'on fait à défendre top encore alors que le Nexus est menacé. Ça fait comme deux fois que j'ai dit ça. Mais pas grave. Oh! C'est un ace! C'est terminé, on a trop de push capacités du côté de Lionel. Malheureusement pour les Atlas, on pourra pas faire grand chose par rapport à ça. Et c'est le Nexus qui tombe sur ce kill de Kessante sur Yannick. Première victoire pour Lionel. Comme je l'avais dit justement, on est allé chercher cet early à cause du manque de vision des Atlas. Bonne partie tout le monde, bonne deuxième partie, bonne série éliminatoire pour ceux qui viennent de se joindre à nous pour cette deuxième partie de. Entre Atlas de Victoriaville et Lionel Esports de Lionel Gros. Et c'est parti. Et c'est pixelisé un peu, mais ça va se rétablir, je suis convaincu. Et comme je dis, je m'en ai à dire, là, du côté des Atlas, on est friand des, débuts en 5 points. On se positionne quand même du côté d'Astrip et des Lisanne pour potentiellement les récupérer. Cette Jinx et cette Lulu, si on décide de passer par le Bush. Et. On a un peu ping la barrière de luxe. Une barrière qui est quand même utile quand on a beaucoup de DPS rapides. Et attention ici, Lisanne et Astrid qui vont faire un engage pour prendre la vision sur ce blue. On prend quand même la vision, c'était ça l'important. On n'a pas été chercher cet engage sur Duelist malgré le fait qu'on l'ait vu. Un haut qui était si détaillé. C'est Duelist. Moi, je vois Duke-List depuis tantôt. Ah, c'est Duke-List. Oh, oui, non, c'est Duke-List. Ah, c'est Duke-List, je pensais que c'était... Moi, je pensais que c'était un E, je le vois comme je le back, je le vois un petit peu plus petit. Ah, OK. Mais comme je dis, là, on prend la mission, fait qu'on sait qu'on a une Sejuani qui va descendre botlane. Sur la suite, soit gank mid ou botlane. Et ça va être là notre avantage. Pendant ce temps-là, le match prend son temps pour monter, laisser un peu la surprise de qui va engage. Le Jax va arriver un peu late. On a push un peu trop longtemps. J'ai l'impression. Mais ça sera pas assez dommage. Non, il va pas perdre d'XP, alors c'est très correct. Non. Et là, ça va commencer les formalités. On commence plus agressif. Une petite tape sa baboune pour dire on est là. T'es arrivé en retard, je peux te punir. Et là, on perd déjà beaucoup de points de vie là, du côté non, mais de... On a les malfits à l'avantage. Ça va être bien qu'on commence à prendre des systèmes là, que le Jax va finir par prendre cet avantage-là. Donc, on veut profiter de notre début d'avantage. Pendant ce temps-là, la botlane qui profite de ce début de partie pour pouvoir poke allègrement. Oui, on avance, mais peut-être que du côté de Lionel, on veut les laisser pousser si on veut que la Sejuani vienne nous visiter. Alors, on n'a pas intérêt à contre-pousser la wave bien comme là. En ce moment, Atlas, pas de vision dans la rivière, mauvaise position, mais là, Xen est là pour peut-être faire un contre-gain. En fait, on n'a aucune vision à part... Mais c'est dur d'avoir de vision aussi pour que ça, mais... On a de la vision ici, bizarrement. Ouais. Et là, je pense qu'on veut faire un jeu agressif du côté de la botane. On va chercher le flash du côté de Lionel et la mort avec le Red Buff. Le Burns Red Buff, je vais aller chercher le First Blood. Alors, on va mourir aussi en retour du côté de Super Doggy, mais on est quand même allé chercher le 400 gold de First Blood. Ça va être intéressant pour Atlas. C'est bravo. Qui a récupéré ce qu'il a du côté. Ça a été Sejuani qui l'a récupéré. C'est ça. C'est Joanie qui l'a récupéré, c'est une bonne affaire en fait, on a récupéré du côté de Joanie, ça veut dire qu'on va se cacher sur de l'armure pour commencer. Pendant ce temps-là, Tenzaoul qui va profiter allègrement de ce deuxième blade. Qui fait fondre un peu les points de vie de 1800 panique, là, on a nettement un avantage du côté de la midlane. Ben comme je disais, on a commencé, on a une lutte qui joue barrière first strike, ça veut dire qu'en ce moment là, tu sais, ce que je veux dire par là, c'est qu'Ariana ne fait pas de burst damage vraiment en early, la barrière... Mm-hmm. Ne sert absolument rien en ce moment. C'est un bon point, ça. Tu sais, elle sert pour potentiellement se stun sur un gank, mais sinon, on n'a pas davantage de dégâts. On aurait dû partir sur un Ignite potentiellement pour aller ou chercher. TP.
Ou TP, justement, si on savait qu'on allait avoir beaucoup de pression pour venir rapidement en lane. Là, pendant ce temps-là, c'est Rup qui en profite. Et ça, allègrement. Et Swaggy. Swaggy qui a un bon landing en ce moment contre Jax. Et ils doivent en profiter parce qu'une fois que Jax scale quand même très bien. Alors... Non, c'est, je dis, au moment où on va récupérer une coupe de dégâts là, du côté de Jax, ça, on va en profiter. Du côté de Lux, on en profite pour mettre la vision dans la rivière. On ne veut pas se faire surprendre par Xin parce que Xin va vouloir. Plus de kills que ça, il va pas se satisfaire d'un seul. Là. Non, pis cette double blade là qui va faire du bien en early à Xing Zhao. Là. Et c'est un très bon stun de la part de Lux. Il va être touché sur Rup. Oui, mais. On l'aura pas. Vraiment de follow-up. On l'aura mais... pas. On l'aura pas. Comment je peux dire. On l'aura pas utilisé. C'est un petit auto pour proc le passé pour être une bonne idée. On a Xin qui se dirige vers le Madeleine et 1800 qui est en mauvaise position, là, ralenti avec l'habilité de Rup. Là, est-ce qu'on va pouvoir utiliser un flash? On a déjà utilisé un flash, on n'a pas de flash. L'autodisc qui va prendre de ce côté pendant ce temps-là par Jemriz, Lyonnais va peut-être avoir un autre kill sur Nautilus, sur la botlane. Et oui, on va pas réussir à survivre du côté d'Atlas, mais Lux a réussi à s'en tirer pendant ce temps-là. Là. Très bon counter gank là-dessus. On a gank mid pendant ce temps-là. On est allé chercher la botlane qui push énormément. Pendant ça, là, c'est une engage du Xing Zhao. Attention, ici, on est quatre autres. Là, on est quatre en ce moment. Quatre champions. On a mauvaise décision de Xing Zhao. On n'avait pas la vision. On ne savait pas aussi où étaient les autres. Mais on savait qu'il y avait un kill qui avait été récupéré botlane. On aurait dû repartir sur notre laning. Et oui, c'est lui qui fait faire un kill. Parce qu'on savait qu'il y avait le botlane était plus bot et on les voyait pas, alors on peut supposer qu'ils sont tous sur le dragon. Et sans flash du côté de Super Doggy, on n'aurait pas dû se risquer à se montrer la face. Et attention, pendant ce temps-là, c'est un gank mid. Et le bon ultimate ici! Sur un reset panique de Rub, je le voyais venir, je voulais pas le dire, mais... Oh, Rup est niveau 6! Très bon ultimate sur la limite de la tower. On est allé chercher ce kill sur Lux. On rééquilibre les charges. Et pendant ce temps-là, en fait, on prend l'avantage du côté de Rup. Mm-hmm. Avec ce kill-là, sachant que Lux en a récupéré un également, et on remet son Dark Seal à zéro. Pendant ce temps-là, on a un engage du Malphite. On deny le CC de Jack. On attend le retour de notre Q potentiellement pour une dernière engage. Et ça ne sera pas suffisant, mais un très bon engage ici qui va faire perdre du temps à... Ouais, on peut peut-être geler la lane, là. Peut-être pas. Mais là, en ce moment, ça sert à rien de la... Ben, on peut la free son compte rester du côté de Malphite. On a une TP du côté de Jack qui va être utilisée à l'instant, donc on ne contrôle pas vraiment cette lane-là, là. On peut garder potentiellement justement ça pour garder un potentiel gank du Xing Zhao. Xing Zhao qui est présentement sur la botlane qui espérait faire une petite surprise, j'ai l'impression, à cette botlane-là. On veut continuer à rendre la vie dure à la botlane, j'ai l'impression. On a mal digéré ce que la botlane était capable de faire pendant la première partie. Alors en effet, mais là, en ce moment, c'est comment je peux dire? C'est Joanie qui récupère les kills, donc pas vraiment d'avantage ici à ce niveau-là. On a un avantage de gold du côté de Caitlyn qui est non considérable. Et ça va être un très bon stun ici de la part du Jax, mais pas assez de dégâts pendant ce temps-là. On donne une petite plaque pour dire calme-toi. Du côté de Malphite. On vole le Red. Non, je pensais qu'on en avait Xing devant. J'ai comme pas le Malphite devrait faire attention. Le Swaggy, attention, c'est Joanie là. C'est Joanie là, elle se prépare pour les rades en ce moment. Mais elle va aller chercher. Il a son ultimate. Non, il n'a pas son ultimate. Elle va chercher le carap. Non, elle fait littéralement l'Hérald en ce moment. Oui, directement l'Hérald. On n'a pas de vision sur la jungle, mais peut-être qu'on dit qu'il ne doit pas être là. Oh là, là, on voit Xin. On voit Xin, alors on sait qu'on peut prendre l'Hérald dans toutes. Les objectifs. Les deux premiers objectifs vont aller à Lionel avec ça. On devrait le savoir là, du côté d'Atlas. La deuxième partie, ils l'ont faite sur la première partie également. On va chercher des Héralds dans nos livres pour profiter justement de cet avantage-là. Là. C'est pas la première fois qu'on fait ça. C'est la deuxième partie. On devrait faire attention puis jouer autour de nos objectifs du côté
côté des Atlas. Et c'est une autre engage du Jax sur cette présence de cette Joanie. On va y aller d'un ult in du côté de Malphine. On n'a pas le choix de flash out du côté de Jax. Et malgré l'ult de cette Joanie, on récupère ce kill du côté de Malphite. On ne pourra pas désengager cependant ce qui va être récupéré par cette Joanie. Mais Malphite qui récupère cet avantage de du premier kill. Alors que cette Joanie récupère une bounty l'ult et de Rup. Et le ult sur 1800. Bonsoir. Rup qui aime bien sa mid lane en ce moment avec deux kills. Mais c'est Joanie qui va lui aller lui rendre visite. Pendant ce temps-là, on a un hook dans le bot lane sur la Lulu. Et on n'arrive pas à tuer la Lulu. Encore une fois, on a récupéré un kill du côté de Rup. On aurait juste voulu push cette lane-là, Under Tower, faire deny de l'XP du côté de Rup et backer. Malheureusement, on a voulu aller chercher le plating. On savait que cette Joanie était top, qu'il y a beaucoup de mobilité. On doit faire attention à ça. Là. On push beaucoup trop du côté de Rup. On veut jouer safe. Là, cette Joanie qui est en 4-0 en ce moment, qui est non négligeable. On a de la vie, on est tanky, on a un Herald. Bot lane, attention! Ouais, mais on a Zingzao qui peut counter en ce moment là. Cette Joanie est tanky, elle n'est pas. Elle fait pas du dommage, elle fait du CC, elle est tanky. Et ça va être un très bon rôle de la part de Lizanne. On engage du côté de Spurdaggy. On va y aller d'un ult pour temporiser les dégâts. Donc on réussit à counter back. Et Lux qui va descendre en ce moment, suivi d'Oriana. Qui va peut-être on va réussir à se cacher. Mais on s'est fait voir et on zone la Lux. Et pendant ça, c'est un flash-in directement sur Lux. Et ça va être un kill récupéré pour Super Dougie potentiellement. On va chercher cette barrière. On va chercher ce qu'il a Lulu qui tente de venir faire quelque chose. Ça ne sera pas suffisant. Et pendant ce temps-là, c'est Joanie qui était backé. On veut se repositionner. Là, on veut jouer safe. On a récupéré un kill. C'est 5 à 5. Et les Atlas commencent à avoir un petit avantage de goal cependant. Là. Léger, mais il est là. Et là, il y a le dragon qui s'en vient. Est-ce qu'on peut pouvoir faire un play pour ça? Il faudrait peut-être aller retrouver un petit peu de santé et un petit peu de mana du côté d'Atlas si on veut contester ce dragon-là. On a une TP potentielle qui pourrait être faite du côté de Swiggy pour venir aider sur ce dragon-là. Pendant ce temps-là, c'est Joanie qui est en train de se préparer. Oriana qui est beaucoup trop avancée en ce moment. C'est dangereux. On doit backer rapidement. Mais... Et on l'a vu, cette Joanie-là. On peigne et Oriana qui recule cette fois-ci. On a peut-être appris la leçon de la première partie avec Chando qui là, c'est un choix à faire. Herald ou dragon? Oui, c'est bien de dropper l'Herald juste avant le dragon. Là, il y a beaucoup de minions, par exemple. On ne sait pas si elle va atteindre la non, on n'aura pas le temps. C'est un Herald qui est waste. On va pouvoir potentiellement jouer ce dragon-là du côté des Atlas. On commence à se retourner pour le jouer. C'est un ult de Sijuani sur Zingzao directement. On va aller chercher des gros dégâts sur Zingzao. Et pendant ça, là, l'ult de Lux qui vient d'être évité. On va aller chercher un Malphite sur cet ult-là. On récupère ce kill du côté de Nautilus. Lux qui va faire tomber Zingzao. Caitlyn sur la Jinx. Et c'est un dragon qui va pouvoir être récupéré pour les Atlas sur ce counter directement. On s'est dépêché à le placer sans réellement avoir l'avantage et la prio là-dessus. On a laissé ce Jax sur cette descente de Swiggy. Et c'était ce qu'il y avait à faire. Lux récupère un kill, donc on reset les goals malgré l'avance d'Oriana. Et on ult de Jinx pour tenter de le voler. Et pendant ce temps-là, on TP back pour récupérer cette toile du côté de Malphite. C'est gagnant-gagnant, on récupère ce dragon qui nous donne la ténacité au vu des stuns de cette Joanie. Et pendant ce temps-là, si on fait le compte, c'est... Oh, Jinx qui surprend le Swaggy, là! Il attendait dans un bush, il savait qu'il avait plus de points de vie et on va aller... Acridox qui dit bonjour Swaggy, merci pour le TP que tu viens d'utiliser. Là. Merci pour le TP. Ouais, c'est le TP en lane alors qu'il nous reste plus beaucoup de points de vie. C'est très risqué. Jack en a profité. Mais Ultimate encore de Rup sur 1800 panique. On profite de ce reset de goal là allègrement. On aurait pas un kill du côté de Lux, on aurait peut-être pas dû. On valait déjà plus grand chose avec le 4 death qu'on avait après ce first blood. Ben pas ce first blood, mais ce kill là en early. Et là, on a redonné un 300 gold directement à Rup. On aurait peut-être dû laisser justement ce kill là potentiellement à Jinx, quelque chose comme ça. Mais tout de même. On a de l'or sur Jinx, oui. Tu sais, comment dire, on tire beaucoup de l'arrière du côté de Lux là en ce moment. Donc, on va aller chercher du gold, mais on aurait dû le mettre directement sur notre carry, sachant qu'on tirait de la part.
OK, on a pas vraiment de replay screen, mais reparlons un peu de ce fight de dragon-là qui s'est très bien passé pour Atlas. Et la différence comparativement aux autres fois où on a voulu compléter l'objectif, on a vu Swaggy descendre de son terrain. Exact, c'est la seule différence. Pour counter l'avancée de Sejuani, on n'avait pas le choix d'avoir un Swaggy qui descendait. On a failli faire beaucoup de dégâts du côté de Sejuani sur la Zenizawa, alors qu'il a été stun directement par Sejuani pendant qu'on tentait d'engage. Et on en a profité allègrement, c'est aussi simple que ça. Ça a changé le sustain de Zingzao, a permis à Zingzao de tenir jusqu'à l'arrivée de Swiggy. Swiggy qui a ultime, ça l'a bloqué Sejuani qui tentait d'escape. Et pendant ce temps-là, on a récupéré 2 kills sur 3 ou 3 kills sur 5. On va pas diver là, notre liste est tanky, on a été obligé de flasher du côté de Duplist. Et avec ce flash-là de disparu, on va pouvoir continuer à appliquer de la pression sur cette tour-là. On va perdre un petit peu d'XP, un petit peu de gold. Et on va attendre la prochaine wave peut-être pour encore boulier. Mais là, on va peut-être donner le Herald pour ça. Si on donne le Herald, il faudrait vraiment aller chercher quelque chose. Le prog, la chive du Jax commence à faire très mal. On a notre Divine. Thunderer. Oui, oui. Pendant ce temps-là, on semble de pauvre quand même du côté de Malphite. C'est un deuxième Herald qui va être expéré du côté de Sejuani. Malphite qui a un Sheen également. Qu'est-ce que Malphite build avec un Sheen? Oh! Orianna, t'as dit Rup qui réussit à aller chercher un autre kill sur Panic, mais là, Sejuani qui est revenu fidèle à son habitude de faire un tour dans le mid lane et je pense qu'on ne pourra pas s'en sortir du côté de Rup. Trop tanky, il avait pas. Oh mon dieu, je suis trompé! Xin qui arrive! Oh, on a un flash de Dougie qui s'est mal passé. On a très bien joué nos habiletés, on a très bien joué notre pacing, on a flash out, on a réussi à aller chercher notre nouveau screen supplémentaire, on a dodge, tight step, le stun de Sejuani qui nous a permis de désengage. Et pendant ce temps-là. Attention, c'est Sejuani qui va tenter de deny cette prise de tower. On n'a pas le choix de backer là, du côté d'Astrid, au moins un petit peu. Pendant qu'on essaie de freiner cette tour. On voit à quel point le sieging power de Caitlyn est optimal. En effet, mais là, une décision d'engage de la part du Nautilus, malgré le manque de personnes, et on focus. 4 contre 2, là. On voit ça, mais on focus cette Sejuani alors que elle est très tanky en ce moment. Là. C'est pas la meilleure décision. En fait, on manque un peu de focus, si je devrais dire. On saute d'un personnage à l'autre sans en tenir aucun. C'est pas exactement optimal dans un clean fight à 2 contre 4. En effet. Mais on a réussi à survivre. C'est quand même, à part Nautilus, qui est la mauvaise choix d'engage. Mais Rup arrive! Mais c'est pas grave, Rup. C'est Lux qui l'a récupéré. On va le dire honnêtement. Lux l'a récupéré. C'est pas pour être méchant, mais c'est que dans ce moment, c'est celui qui est le plus derrière. Et donc, on dit ça, on dirait. Et donc, ça change pas grand-chose présentement, outre ces teamfights. On a toujours un Dark Seal qui est à 1. On a quand même récupéré notre Liandry. Liandry qui est quand même surprenant, sachant que Lux, c'est du burst damage, malgré le fait qu'on ait du tankiness du côté des Atlas. Absolument, Lux scale beaucoup mieux sur justement Luden, parce que c'est du burst damage avec son ult. On veut en faire aller chercher des gars sur notre truc potentiellement. Pas nécessairement oui. Tu sais, c'est pas un dégât qui. C'est pas un personnage qui va profiter pleinement du lien. En tout cas, à mon humble avis, là. Je suis d'accord, mais j'imagine que l'idée derrière ça est que tant qu'à avoir moins de dégâts potentiellement pour le moment tirant de l'arrière, on va aller chercher justement là, un petit peu plus les dégâts de proc sur le Liandry. Une décision qui peut être comprenable dans la situation où on tire de l'arrière en ce moment et là on essaie de contester ce dragon-là malgré le fait que Malphite ne soit pas là et que Jax est en train de se ramener. Là. Oui, là, c'est une décision peut-être un peu prématurée. On va vouloir peut-être kiter vers le Jax justement pour les baiter un peu. Mais là, on est à 4 contre 5. Je ne sais pas si on va tenter du côté d'Atlas, mais on ne peut pas vraiment, à moins d'être extrêmement chanceux. Non, Jax, laissez joindre le Jax qui saute. Et après ça, on va avoir Jinx qui va pouvoir nettoyer le tour avec juste son Q supplémentaire. Avec Rolling. Quelques attaques. J'ai envie de dire Rolling CC. Rolling CC, on a vraiment bien timé ça. Et on l'a dit, si Swaggy n'est pas là, je pense que dès le moment qu'on a vu qu'ils étaient 5, on avait juste spéculé et retourné farmer. On pouvait pas contester, là. On avait notre tour du côté de Sejuani, on a de l'avance sur Sejuani.
C'est assez surprenant. Peux-tu me rappeler la division en ce moment de la classe 3? 4A. On est dans la division 4A, oui. Et je pense, honnêtement, c'est... On aurait juste dû dire, OK, on va leur donner ce dragon-là, puis on va les farmer. Parce qu'il n'y avait rien à faire, là. À moins d'être extrêmement chanceux. Et là, Swaggy qui commence à apprendre que Jax, il fait très mal plus la titane. Il doit avoir de compléter son Iceborne Gauntlet personnellement. Ben, comment dire, Jax en ce moment, là, il a quand même une avance de gold d'environ 800 gold, je dirais. Là, c'est une tentative de Spurdergy de la gang, mais on a la vision du côté de Jax. Oui. Alors, on va pouvoir se reculer. Jax est vraiment pratiquement un deuxième flash avec son E, là. Le Gauntlet n'est pas terminé du côté de Malphite. Là, on va vouloir faire ça, mais si on back sans avoir crashé la wave, Jax va pouvoir prendre la tour. On a notre TP du côté. On a notre TP. Oh. C'est quand même c'est un back qui est safe. J'avais pas vu le TP, mais je pense qu'on va décider de pas l'avoir. On a reset la wave, fait qu'on est sur le milieu. On va peut-être avoir quelques coups du côté du Jax, mais c'est rien de réellement important à ce niveau-là. Là. Et là, on a la vision sur les Xing Zhao. Alors là, on se croise les doigts. Le gold est encore très en avance pour les Atlas. Ça va encore bien. Il faut que ça continue. Il faut qu'on continue avec les bonnes décisions. Jax qui a de la vision, là. Alors, ça ne sert pas à grand-chose pour le moment. Il va pouvoir juste se sauver. Est-ce qu'on va pouvoir clearer la vision? Non, on va pouvoir finalement la clearer. On clear très le bien Baron la vision en ce moment. Le Baron est up. Orianna est allée dans le bot lane. Une bonne décision quand même pour que Caitlyn puisse continuer à mettre la pression dans le mid. Et on a le TP, l'avantage TP avec Orianna. Donc, s'il y a quelque chose qui se dessine, elle va pouvoir aller rejoindre l'équipe facilement. On a l'impression qu'on essaie de se préparer pour un Baron aussi early. C'est assez surprenant. Non, OK, on désengage. Oui. Je pense qu'on veut le faire du côté des Atlas. On a réussi à deny du côté de Lionel. Je pense pas qu'on peut vraiment faire le baron du côté de Lionel, surtout pas avec Orianna qui a de la concentration dans la botlane. D'ailleurs, on va voir Jinx et Lulu aller répondre à ça. Là. Oh, attention, on fait très mal. Attention. Oui, le Q d'Orianna qui fait vraiment très mal maintenant. Là. Un item, on a le Luden de compléter, plus un Needlessly Large Rod de plus. Là. On va forcer un recall là, du côté de cette botlane là, ça nous permet de continuer de toucher, de laisser assister, continuer cette avancée. Et c'est la Gale Force pour Force Dean. Pour empêcher le back et continuer à mettre de la pression. Mais Xin s'est fait surprendre. Par Jax, il s'est joigné encore une fois le combo meurtrier. Il va pouvoir mettre un terme. Ouais, mais... À Superloggy, il est obligé à Atlas à reculer. Là. La question que j'ai en ce moment, c'est pourquoi est-ce qu'on était là du côté de Superloggy? On était late sur Astrée et tout, on a réussi à se positionner du côté d'Astrée. Et là, c'est Swaggy qui... Jax saute encore une fois sur Malphite, le Swaggy se fait ça. On va être obligé de l'utiliser, là. Jinx va utiliser un internet dans le beurre, mais quand même, là, on est pris, on est obligé d'utiliser le flash. C'est Joanie qui pourchasse parce qu'elle peut sauter devant les murs, elle aussi. Mais pendant ce temps-là, Caitlyn va utiliser son internet sur Jinx, qui va être obligé de reculer. Pendant qu'on pourchasse encore Malphite, Jinx se fait pourchasser dans le botlane. Tout le monde pourchasse tout le monde, et je pense que tout le monde court partout. Là, on avait trois personnes sur le Malphite. Pourquoi est-ce qu'on en a pas profité sur cette botlane-là? Erreur de communication, je pense. On savait pas trop exactement quoi faire. Peut-être en l'absence de Jinx, de Xin, tout ce qu'on voulait, c'était gagner du temps. Exact. Parce que ce que je veux dire en ce moment, là, c'est qu'on avait on avait Lulu et Jinx qui étaient tout seuls. On avait réussi à désengager du côté du Malphite. On aurait pu récupérer. Là, on était en 3 contre 1 du côté de justement cette botlane là, donc on aurait pu potentiellement aller chercher un kill sur cette botlane là et potentiellement resserrer les taux autour des deux qui pourchassaient, je veux dire les trois autres pourchassaient le Malphite. Jax qui va commencer à pouvoir faire du split push de façon très dérangeante et qui a aussi son TP, fait qu'on a un TP du côté de Malphite, un TP du côté de Jax d'Akridos. Donc Swaggy et Akridos sont capables d'influencer le prochain fight au dragon de façon égale. Mais peut-être que je pense que est-ce que Malphite vouloir descendre vers le dragon pour TP top au besoin? Oui, je pense que c'est ça qu'on... Oui, c'est ce qu'on s'en vient tranquillement, j'ai l'impression. Ouais. C'est un dragon des vents, fait que potentiellement utile pour le déplacement de Malphite. Si on veut, split push, là, on va prendre la trio sur la main. Non, je pense qu'on va trade pour le Baron. Le on va trade Baron.
D'accord, c'est Baron. Oh là là, il va falloir qu'on fasse ça vite, là. Ah, mais on a les dégâts de Rihanna et de... On pourrait le finir avec le Cloud Drake. Dans le Cloud Drake, il n'a pas beaucoup de points de vie. Il tombe relativement vite. Et là, on a terminé le dragon. Oui, non, je pense que ça va être juste... On a le temps. On veut juste désengage en ce moment. On veut désengage, mais on a réussi à trade ce Baron-là. Très bonne décision de la part des Atlas. Good trade. On se scale pas vraiment sur un Dragon des Vents. Donc, au final, pourquoi pas juste prendre l'avantage du Baron. À 5 sous la tour. Let's go! Et Jax Diva et Malphite Diva simultanément. On échange les engages, mais ça va profiter à Atlas. Parce qu'on avait eu assez de dégâts pour faire fondre le Jax du côté d'Orianna, et là, c'est la chasse. Mauvais engage. L'avantage d'un champion. Mauvais engage du côté de Lionel. De mauvais engage. Pas de Lionel. Très bon nul de la part de la Sijouani. On a réussi à pogner la DPS. Ben, juste se repositionner. Le Jax a décidé quand même de jump in on the tower. Et là, on se ramasse en 5 contre 1 avec un buff Baron et un 3000 gold lead du côté des Atlas. Donc, on aurait dû faire attention à ce moment-là, mais attention ici, c'est pas le geek qui est en mauvaise posture. Là. On est un peu trop proche de Sejuani qui ne prendra pas cette engage-là, mais on aurait pu avoir Faut qu'on back, faut qu'on dépense de l'or. Là, et là on a un avantage d'or. Là. On va regarder si on fait point niveau des gold. On a un Jax qui est en lead présentement de 500 gold sur le Malphite. On a une différence de 1500 gold du côté de Sejuani. Donc, t'as plein de jungles qui ont pris l'avantage en ce moment. Et du côté de Rihanna, on a un 3500 gold de différence. Non considérable. 2000 de gold environ du côté de Kessie. Attention, là, on prend des risques. Là. On a du monde qui manque de points de vie. Là. Et on a beau avoir des avances en gold, on a 2000 gold pas dépensés avec Zen. Là. Presque 2000 gold de pas dépenser avec Ori. Là. Ben là, on a amplement de gold pour pouvoir backer et récupérer des bons systèmes là, en ce moment. Là, oui, définitivement. On veut snowball et on veut pas se faire prendre au dépourvu avec moins de points de vie que l'équipe qui vient de respawner. Là. Je sais bien que maximiser l'investissement du baron, c'est important, là, mais je regarde Malphite et je suis pas à l'aise. J'aimerais mieux vous les voir backer et revenir avec plein de points de vie. En effet. Parce qu'à part un Eclipse en ce moment du côté de Xing Zhao, on n'a pas grand chose. On a une Turnmail qui a été récupérée du côté de Sejuani. Donc, si on veut pas jouer cette tankiness-là, on n'a pas le choix de backer et d'aller chercher d'autres items. Et pendant ce temps-là, on veut que nos carry puissent récupérer justement des items. Backer les Atlas, backer, c'est plus le temps de pousser. On a pris l'avantage. Là. On se repositionne tranquillement, on sort tout groupé. On ne peut pas isoler quelqu'un pendant un kill. Swiggy qui est mid-life, moins de mid-life, on n'a pas vraiment de capacité. On a des capacités d'engage, mais c'est joué avec le feu là, en ce moment. Là. Et ça a failli m'admirer, là. On voit là. Mais qu'est-ce que je disais? Lul start de Malphite. Est-ce qu'on a vraiment assez de dégâts pour ça? On a Liandry, on a un Darkseid qui est pas stable. On n'avait pas assez de dégâts là, du côté de la lutte pour vraiment tuer Malphite. Ouais, c'est un lutte un peu lancé dans le vent là. On a peut-être voulu tout simplement ne pas risquer. Là. Finalement, on back, on complète le Sunfire. Du côté de Orianna, on a complété le Seraphim. On va chercher de l'Antihil contre le Jax. C'est une excellente idée d'aller chercher de l'Antihil contre le Jax. On a l'Infinity Edge de compléter et on commence à travailler sur. Infinity Edge, j'ai fini tout à l'heure. Infinity Edge, j'ai fini depuis le dernier fight. C'est là, c'est une Bloodthirster qui se prépare. Mm-hmm. On va aller chercher du sustain sur ce burst-là. Oui, c'est une très bonne idée d'aller chercher du sustain sur le burst parce que, eh bien, quand on mène et qu'on a de l'argent sur soi, on ne veut pas le donner facile. Est-ce qu'on va voler ce blue buff-là? Et on va voler le blue... Non, on laisse mettre du côté de cette Joanie. On n'a pas cette de se le faire voler. Là, on commence à poser de la vision, c'est une bonne idée, sachant que le dragon vert, il est feu. Mm-hmm. Cette vision-là, on commence à gérer beaucoup mieux notre vision du côté des Atlas en ce moment. On manque de vision dans la map, on est beaucoup fatigué, mais tout de même, c'est quand même respectable. Là, on réussit à en mettre suffisamment, on veut juste deny de cette dernière ward. Potentiellement, on n'aura pas la capacité, mais là, on est en train de journée, on empêche l'avancée de qui que ce soit.
Et on va bloquer potentiellement cette avenue-là. On se donne quelques petites... normalités en ce début. Et ça va être un engage du Malphite avec cette très bonne ult qui va bloquer trois personnes directement. L'engage de Jax avec l'ult de Lilith, ça fait suffisant. Non, le Zingzao qui va faire tomber Jax. Nathalie qui va tomber. On réussit à sustainer un peu l'ult de Caitlyn qui va être lâché. Malphite qui va se focus sur la Jinx. Zingzao qui va tomber ici en ce moment. Et là, on commence à se scatter un petit peu. On va poursuivre cette lutte pendant que Malphite va tomber. Et on veut aller chercher cette lune du côté d'Astrée. Est-ce qu'on va avoir capacité? Les minions commencent à faire leur rôle. On fait tomber les dégâts, en fait les points de vie de cette Lulu. Mais là, on est en déficit et on va se faire stun du côté d'Astrée. On continue de poke quand même. C'est un Free Dragon. En fait, c'est une Soul qui va pas être récupérée. Je suis moins sûr que c'est Free parce qu'on a encore Caitlyn. On a encore Caitlyn. Là, c'est Free. Sauf si on est réussi à miraculeusement aller chercher avec l'immunité. Non. C'est un Cloud Soul. Le Cloud Soul qui, au niveau de ce qui donne, 50% de mauvais spin pour 6 secondes après avoir casté un ultimate. Quand même considérable. Et un 15% de mauvais speed. On a quand même un très bon déplacement ici. Rien de c'est pas le meilleur Dragon Soul qu'on aurait pu avoir dans cette partie. Non. Mais tout de même, un Dragon Soul qui peut donner un petit avantage. Et ces récupérations de kills-là qui vont avoir fait du bien. On a pas récupéré des bounties, c'est une bonne chose. Et là, la Dead Dance qui va avoir été récupérée du côté de Zao pour pouvoir temporiser justement les dégâts qu'on se mange sur ces bursts-là. En fait, surtout temporiser lorsqu'on se fait stun, parce qu'on a beaucoup de CC qui touchent là, en ce moment du côté. Avec le stun de Sejuani et les CC qu'on a, là, ça va faire du bien cette Dead Dance-là. Faire beaucoup de. Et là, on veut potentiellement essayer de se préparer pour un Baron du côté de Lionel et on va se cacher potentiellement pour un engage ici sur le Jax. Un ult qui va avoir simplement touché Jax, mais on va réussir à faire tomber ce dernier du côté de Caitlyn. On temporise du côté de Swiggy, l'ult de Lux qui va être lâché, mais on touchera pas vraiment personne et Swiggy qui est en ce moment en train de se faire burst. On va essayer de récupérer Swiggy, mais à quel prix le disengage de Sejuani. On fait tomber Zinzao également du côté de Jinx. Et là, c'est des dégâts d'Oriana qui va tenter de temporiser. On essaie de sauver ce Nautilus-là, mais après qu'il peut prendre en mauvaise posture. On n'a pas d'ul du côté d'Oriana. Nautilus qui va tomber également. Est-ce qu'on va réussir à faire tomber Rup au passage? Non, ça ne sera pas suffisant. Rup reste vivant. Mais là, on a de la difficulté avec nos teamfights, avec notre positionnement de teamfight et cette Sejuani qui gère très bien ses engage, disengage en ce moment. La T3 qui va tomber, sûrement l'inhibiteur également, et ça va être un Baron pour lui-même. Revirement de situation, un mauvais teamfight, et là, l'or est revenu égal, et on a un avantage d'un inhibiteur du côté de Lionel. Alors, c'est un dur coup pour Atlas, mais ce n'est pas encore perdu, ça c'est certain. On gère, là, tout le monde est revenu. On tout le monde est en très santé. Bien nos engage-disengage. On a un nul de Malphite, on pourrait prendre ses joignies à défaut en ce moment. Ouais, elle est toute seule, elle est isolée. Est-ce qu'on a les dégâts cependant? Je ne crois pas. Pendant ce temps-là, Jax est dans le bot lane en train d'appliquer de la pression supplémentaire. Il a son TP. S'il veut venir rejoindre. Alors si on ne se dépêche pas de prendre une décision, on va être obligé de retourner dans le mid lane pour défendre contre les super minions. Mais on s'organise pour essayer de faire quelque chose autour du baron. On va faire attention du côté de Caitlyn. On a le bloc seul du côté de Caitlyn. Donc là, on va pouvoir temporiser, mais là, fais attention, Lux a récupéré son Dark Seal complet et stacké. Pendant ce temps-là, Jinx scale très bien en ce moment. On a récupéré des beaux kills là, et ça revient un peu la situation. Astrée n'a plus d'avantage en ce moment, on n'a pas le choix vraiment de jouer sur notre backlane là, et de jouer safe. Et on n'a pas le choix de jouer autour de Malphite et de ses engages et de faire attention.
Là, on veut garder notre ult du côté de Rup pour potentiellement justement burst comme il faut l'équipe adverse. Et on est en train de déward tranquillement le Baron. Mm-hmm. On essaie de prendre des kills Rup, face check. On va récupérer cette séjournée pendant ça de Jax qui dash in. Ça va être un ult de la part de Lux. Pas de kill jusqu'à présent, mais on a quand même très bien repoussé les Atlas sur cette tentative d'engage. Attention ici, Swiggy qui est mal positionné. Ça va être un engage ult directement sur ce retour de Jax. Notre équipe était pas là, on n'était pas bien positionné, mais un très bon ulti qui va récupérer 4 personnes du côté de... justement. On est bas là du côté de DNL là. On n'a pas beaucoup de points de vie là, on peut pas contester cette équipe-là là. On a encore Caitlyn, on a encore Zen. Peut-être qu'on pourrait aller chercher le Baron là. On peut quand même contester, to be honest, là en ce moment on a plus Swaggy pour tanker. On peut tenter de prendre ce Baron-là pour essayer de rééquilibrer les forces et récupérer, mais là il va falloir qu'on fasse très rapidement parce que là, Lionel qui est en train de revenir. Là. Donc, avoir la capacité de pouvoir le finaliser avant, je ne crois pas, avec l'engage de... On veut des engages en ce moment. On a récupéré le Baron, mais on est en mauvaise posture. On veut sauver, on veut survivre. On a denied le Baron, mais à quel prix? Je me souviens de dire à quel prix Lionel qui commence à prendre l'avantage sur les golds en ce moment. Et le Elder qui s'en vient. Mauvaise décision là-dessus, on n'a pas Swaggy, on n'a pas Spurdergy, on n'a plus Elisanne. On ne pourra pas faire grand-chose. Pendant ce temps-là, Elisanne qui est en train de se préparer justement pour ça. On va y aller dans le kill, on va faire tomber la Jinx ici. On a réussi à tomber la Jinx, c'est un équilibre des forces. Mais là, on veut des pushes et on veut aller chercher ce dragon-là. Parce que si on récupère le dragon du côté Lionel, c'est fini pour les Atlas, on ne pourra plus rien faire. Donc ce dragon ancestral là, on le veut, tout le monde dessus, on a fait tomber, c'est un 4 contre 4 en ce moment, et on veut aller le chercher. Mais là on a un jungle du côté de Lianel, on n'a pas de jungle du côté d'Atlas encore pour quelques secondes. Xin s'en vient, faudrait ralentir. Et là on réussit à zoner très bien, là, on n'a pas le choix de désengage, et là pendant ce temps-là, Xin Zhao prend du temps, je sais pas pourquoi, là, on perd du temps du côté de Xin, on veut arriver le plus vite possible là. On essaie d'échanger les rôles ici, Zing n'est toujours pas là. On va pouvoir faire quelque chose du côté, on récupère le son, on va réussir à le turn, mais est-ce qu'on va réussir à pouvoir le deny de l'ult de Jinx qui va toucher le dragon qui est déjà midlife? On va zoner du côté des Atlas alors que le 5000 de l'ult de Jinx va toucher les 3000 dernières points de vie, 1800, 1300, et on va mettre le dragon ancestral qui va récupérer. On a attendu tellement longtemps du côté Lionel, ça s'est joué à rien. À la dernière seconde, on a réussi à le smite et à faire virer cette fête. Trois personnes vont tomber, on va faire tomber la Jax, là c'est Joanie, on va faire tomber la Jinx. Wow! C'est des tensions, ça se joue à rien. Là-dessus, potentiellement, là, on allait chercher l'engage du côté de ses joignées directement dedans au lieu de récupérer le zonage et jouer. On aurait dû jouer Greedy, deny ce dragon-là et empêcher justement, potentiellement, aller chercher un stun sur, sur Zing Zhao pour empêcher la smite. Pour vrai, en fait, c'est juste ça. On a attendu trop longtemps avant d'engage l'ult de Lux qui était trop tôt. Comme pour la tentative de le Baron, on n'avait pas de vision. Mais des fois, on se sert de l'ult de oui, pour parler de la vision. De la vision. Surtout qu'elle n'a pas. C'est plus vraiment du burst qu'elle a avec Elian Dreams. Non, c'est pas du burst en ce moment. C'est pas du burst, alors il bien s'en servir pour essayer d'avoir de la vision en même temps. Mais là, en ce moment, on est très bien. Et le cooldown qu'on s'entend est vraiment court, l'Ultimate Deluxe. On est très bien, là, with N qui a été récupéré de Xing Zhao pour pouvoir tanker encore plus. On a nos bots de mercure. On a été chercher une stopwatch également, donc potentiellement un Yandri. Un Zonia. On a encore un Elder Buff pendant quelques minutes, alors on veut un fight du côté d'Atlas. C'est Joanie qui va flanquer en ce moment
faut faire attention. C'est toujours elle qui cause les surprises avec ses. Ouais, mais là, on a un Elder Dragon. On peut pas vraiment tenter un assaut frontal d'aucune manière parce qu'on va fondre avec les dégâts d'Astrée et de Rihanna. Là. Et là, on risque de mourir avec l'Execute. Ce qu'on veut, c'est temporiser. Exact. Du côté de Lionel. Ce qu'on veut du côté d'Atlas, c'est éviter la temporisation. On a une ultimate du côté de Caitlyn pour aller enlever un bon chunk de points de vie sur 1800 panique. Fait que, let's go Astrée, un ultimate de Sejuani qui va rater de peu. Ça va faire du bien à Tars, mais Xin pendant ce temps-là, qui est en train de faire des problèmes. Dougie qui se rend compte que Jinx avec Poisdem, ça fait mal. Oui, je pense qu'on a Poisdem. Oh, l'ultimate! Et l'ultimate de Ruth en même temps. Quand l'ultimate de Malphite, on réussit à ajouter une personne, deux personnes. Pendant ce temps, on continue à tanker la tour du côté de Nautilus pour qu'on puisse aller chercher un double kill, un triple kill, trois kills du côté d'Atlas. Il nous reste pas beaucoup de monde vivant. Panic va pouvoir aller chercher le shutdown par exemple sur Caitlyn. Il va devoir flasher pour rester vivant. Alors, il reste deux personnes vivantes de chaque côté. On n'a pas encore réussi, on n'a pas encore pris un inhibitor par contre. Non, on a fait un bon coup. On n'a plus le buff de l'Elder Dragon. On essaie de finir cette tour-là. Enfin, pas cette tour-là, cette inhibitor-là, mais là, on n'a pas le choix de backer du côté de Turi parce qu'on va mourir. Là. Oui, on s'est fait surprendre. On s'est pas sur... oh, non, c'est... on va être honnête. On s'est pas fait surprendre. On est resté beaucoup trop longtemps. On riait en face, on essayait de le finir absolument. Et là, attention, Rihanna, on s'est fait toucher, mais à 75 points de vie. Ça passait proche. Comme on dit, not even close. It's flesh wound. Mais là, Lux qui a récupéré une. Récupéré une très bonne bounty là, sur Astrée. Un 800 gold. Dans un 800 gold qui permet d'aller chercher justement l'horizon. Horizon Focus va permettre justement de commencer à burst sur son ult à plein range. Donc de pouvoir sniper le tout. Là, on essaie de vouloir prendre ce Baron-là du côté de Lionel. Pour vrai, on pourrait le jouer parce qu'en ce moment, on n'est pas assez en avance du côté des Atlas. On a quand même un Lord Dominic qui a commencé d'être fait. Là, attention ici, on cherche l'engage du côté de ses 20. Les points de vie qui commencent à fondre le Jax qui va engage également. On va ult Astrée à ce niveau-là. On refuse un peu. On a ult Astrée. Mais là, on commence à réaliser que les dégâts d'Astrée sont un peu trop importants, là. L'ult de Lulu qui réussit in extremis à sauver sa coéquipière, là, son coéquipier, mais là, on a un avantage certain d'HP pour qu'on aille se guérir et donc on va peut-être pouvoir aller chercher un inhib. Mais peut-être là, moi, j'irai chercher le Baron. Comment ça se fait? On a le Baron. Là. On a poussé la priorité partout. On est pas mal plein de life partout. On va les attendre. Okay. On va essayer d'aller chercher avec un ult de. Swaggy et Jax est encore vivant, mais là, c'est Swaggy qui va aller s'en prendre directement à Orianna qui reste vivant, heureusement. Malphite se fait fort, faire un bond en attendant pour causer une distraction. Et juste comme ça, on est en rampage du côté de la midlaner de Lionel, mais qui va mourir avec Caitlyn et Xin qui se vengent et Sejuani qui continue à pourchasser pendant ce temps-là et les âmes. On court de tous les côtés encore une fois dans un teamfight entre ces deux équipes-là. C'est sans pitié d'un côté comme de l'autre. Attention, le polymorphe qui tombe sur Astrée et Astrée qui va tomber sur ce Resurrect-là, cet Angel-là. On a resté pour longtemps dans cette fight-là. Quelle fight confus! C'était difficile à suivre. Là, je vais être honnête, là, fuck le Baron, on va chercher l'Elder Dragon, on profite de cet Elder Dragon-là et on va chercher cette victoire-là du côté de Lionel. C'est la meilleure façon de pouvoir l'emporter en ce moment. On a des knights de ce combat-là. Comme je disais, là, c'est engage. On est resté trop longtemps du côté de Malphite sur ce côté-là. On n'a pas réussi à tanker vraiment et aller chercher des kills importants. Et c'est Johnny qui a rendu beaucoup trop tank en ce moment avec les dégâts en plus de Jinx et le dragon ancestral qui fond comme neige au soleil. Et potentiellement, ça va être le dernier push là, de Lionel pour pouvoir être récupéré. On tend à aller chercher peut-être ce dernier Baron-là quand même.
Fait que Malphite qui avait beaucoup tanké pendant le on a beaucoup tanké, L'autre équipe, le reste de l'équipe n'a pas focusé suffisamment rapidement les autres. Ben en fait, c'est qu'on a tanké en 4v1. On a tanké en 4v1. C'est exactement ce qui nous a fait perdre cette teamfight-là. Tanker en 4v1, c'est une bonne idée si on est capable d'aller chercher le kill. Là, on focusait à s'éloigner au lieu de juste l'ignorer et d'avancer pour aller rejoindre Malphite. Ça le jouait un peu contre nous et là, en ce moment, je veux dire, on a pris l'avantage de du côté de Lionel. Et on a le double buff. Elder buff, Baron buff. Là, on veut patienter. On n'a pas le choix de patienter, là, surtout avec la tankiness de Sejuani en ce moment. Là. On est rendu avec 819 points de vie de récupérer. On a un dead man. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est pas le temps d'engage, c'est le temps d'essayer de défendre au mieux. De repousser. Vu qu'on peut avec les... Le poke. T'as encore le Super Minion, mais le Super Minion va arriver bientôt. Faut clear la wave du rat, puis le moins possible. Au moins, on a Caitlyn qui fait beaucoup de dégâts. On a Orianna, si elle fait un bon ult sur plusieurs membres, on pourrait les forcer à reculer. Et je pense qu'on devrait regarder pour du build plutôt que du engage. Si on réussit à healer, on va healer avec le crack de Hust de Malphite et après ça, on va essayer de... Oh, on a tout simplement un petit peu trop de dégâts du côté de Lionel. Avec le Elder Buff, on a réussi à tuer un, deux membres. C'est le troisième membre. On va réussir à aller chercher Xin également. Jinx qui attaque tellement vite avec le movement speed, le attack speed boss de son passif et de Lulu. Et malheureusement, malgré que ce match-là soit beaucoup mieux passé que le premier,